Salut YouTube, on vient de terminer Metroid Prime 2. Je suis très ravi. Je suis content comme jamais j'ai été content, je pense. Et Patatart fait des bruits de prout au loin. Et du coup, pour me détendre, un petit Isaac V2, un petit Eden V2 en hard. Et on va essayer de faire Hush Baby. Je vous rappelle que la dernière fois. Putain, le jeu rame. C'est bon, le jeu rame plus. J'ai des pas si mauvaises stats, donc je vais le tenter celui-là. Et putain, la musique t'es forte par contre. Ah mais en plus c'est un bon item là dès le départ. On va essayer d'avoir une bombe quand même. Vous voyez, ça marche mieux que la Wiimote hein. La petite manette de Xbox. Ça marche mieux que la Wiimote. C'est quoi V2? C'est les Tented. C'est les persos Tinted. Do you know the Tinted perso? Et donc là je suis sur Eden. Tented Eden. Alors Tented Eden, son stuff est reroll. Tout le stuff est reroll. A chaque fois vous faites toucher. Ce qui est évidemment éminemment rigolo. Je préférais quand même des cœurs bleus potentiellement. Je vais aller au boss. Putain, un petit Book of Belial là, au pif. C'est cool. Donc ce perso est assez rigolo quoi, parce que dès qu'on se fait toucher, tout le build est nouveau. Et des fois on tombe sur des trucs mieux, et souvent on tombe sur des trucs pires. Donc c'est assez drôle. Franchement c'est assez drôle. Je me suis bien marré sur la dernière, enfin sur la première fois que j'ai joué. Et on a quand même fait le boss rush, Blue Baby Isaac et Mega Satan. Et on est mort sur... on est malheureusement mort sur Delirium, tout à la fin de Delirium en plus. Mais le perso, on s'était bien marré. Enfin de toute façon vous marrez toujours quoi. Parce que de toute façon, vous me regardez mourir comme un cacard. Donc à chaque fois, vous, c'est évidemment des parties de rigolade. Moi, ça dépend des fois. Moi, ça dépend. Qu'est-ce que ça va me donner? Oh! Ok. Dommage pour le Orph. Et je vais aller chercher mon objet. Mon gros objet. Qui de toute façon va être reroll dans pas longtemps parce que je vais faire toucher mais... Donc même s'il y a des objets nuls du coup sur Isaac V2, l'intérêt c'est quand même de les prendre vu que ils vont servir à du reroll après quoi. Donc même si vous avez un objet naze, ça vaut quand même le coup de le prendre parce que ça fera un objet de plus à reroll sur la prochaine touche quoi. Après c'est si vous pensez que vous allez vous faire toucher quoi. Si évidemment vous jouez comme Shishayu et que vous ne vous faites toucher jamais. Ah pas besoin. Pas besoin de prendre des trucs nuls quoi. Mais bon moi j'en ai besoin quoi. One makes you larger, ok. Comme d'hab on pif les pilules hein, évidemment. Sur la partie que j'avais faite la dernière fois, on avait commencé Godhead. Hein. Eden qui commence avec la Godhead. C'était assez sympathique quand même. Hein. Il faut avouer. Bon, on l'a perdu très vite mais... on l'a perdu assez vite mais... petit début de game sympa quoi.
fait il lui faut quand même, il faut de la thune en fait à ce perso. Parce que qui dit thune dit objet qu'on peut acheter. Et si plein d'objets, plein de reroll. Je vais aller au boss, voilà. Et bah le boss qui aura pas fait long feu. Je vais pas aller au Devil Deal parce que j'ai clairement pas la thune pour ça. J'ai pas les cœurs pour ça. Ça c'est cool. C'était nul tir avant. Et maintenant, franchement, c'est pas trop mal. C'est un gros damage up. Alors derrière, il y a du shot speed down. Il y a du tears down, mais moins vénère qu'avant, quoi. Il suffit de retrouver... du tears up derrière, c'est plutôt ok quoi. Merde, c'est pas là. Merde, j'aurais pas dû piffer. J'aurais dû aller vérifier d'abord. Par contre, j'ai zéro thune quoi. Et alors que le reroll. Power pill. Merde. Ah, le. D'accord. Le Devil Deal est toujours. Vous avez vu, ça va vite, hein. Ça va vite de changer de de build. Il suffit de se planter sur les pics. Oh, par contre, j'ai... Ah ouais, j'ai ça. J'ai ça, c'est bien. Ok, j'ai failli le prendre. Hop, nickel. Putain, il y a plein de cœurs bleus par contre, c'est cool. Le mini pin, le mini pin qui est finalement est si énorme, qui ressemble à pin. C'est ouf. Ah c'est deep, ouais ok, j'ai deep pocket. Je pigeais pas pourquoi j'avais autant de pièces qui tombaient par terre, mais ça y est. C'est l'effet de deep pocket. Oh la boulette. La boulette qui m'a frôlé. Ok. Ah j'ai pet-win, d'accord, ok. On va chercher le shop. Faut quand même que je me grouille, j'aimerais bien faire hush. Mais avec 0,88 de speed, se grouiller c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a? On a des trucs pas ouf. Dommage. On va au boss. J'ai pas de vie aussi.
Si j'avais une bombe, c'était ok. J'aurais pu avoir un cœur bleu gratos. Putain, l'autre il me... Le snipe a une vitesse. Et merde. Qu'est-ce que j'ai? Ah d'accord. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Par contre... Je suis à combien là? 9 minutes. Est-ce que j'ai de la thune? Ouais, j'ai de la speed maintenant. On va aller voir si j'ai la thune pour aller acheter une bombe. Est-ce qu'il y avait une bombe au shop déjà? Et si on a une, est-ce que je peux pas aller l'acheter? Il y a une bombe. Ok, cool. Hop, comme ça, ça me coûte rien. Voilà, ça c'est gratos. Bon, le build est qui est pas ouf, mais... On va faire avec, hein. Ok. Petite curse. C'est bien parce que j'ai du coup j'ai l'objet de merde là, anti-gravity mais anti-gravity et avec le homing finalement c'est moins pourri. C'est pas génial hein, mais c'est moins pourri. Et merde. Un petit chocolate milk. Ok. Merde. C'est chaud. C'est quand même chaud. Hein. Bon, en même temps, j'aime pas Chocolate Milk, donc c'est pas plus mal finalement que je l'ai perdu, mais... C'est vraiment pas un item avec lequel je suis... Je suis confortable, donc... Keeper's Box. Hein? Pourquoi ça m'a retiré de... Pourquoi ça m'a retiré de... des stats quand j'ai utilisé Keeper's Box? Pourquoi je... Mais un 92 de tir rate, c'est pas si tir, Marc, c'est pourri, ouais. Puis j'ai plus... J'ai plus de vie. Putain, mais alors, les topiqueurs, j'en peux plus. Hein. Mais lui, je l'ai quasiment pas touché. Oh là là, mais vas-y. Ah ouais, c'est bien là, regardez. Putain, j'ai number two. Merde, j'ai number two.
Ok. Alors l'objet que j'ai là me permet de copier les runes. C'est le même principe que... C'est le même principe que la blank card pour les cartes, mais pour les runes quoi. Ah, j'ai le bébé qui pète, ouais, d'accord. Oh là 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 là, ça va mal finir. Hein. Bon. Un build pas trop crade, mais j'ai plus de vie quoi. Un objet à 7, c'est oui. J'ai plus de vie. J'ai plus de life. Et merde. Oh là là, l'enfer quoi. Attendez, oui. Plus loin, c'est là. Oh, GR Kelly. Ah non, mais j'utilise GR Kelly, hein, c'est sûr. Hein. Oh, je vais me faire toucher. Ah, par contre, ah merde, le timer. Ah merde, ça c'est con. Ah merde! Le timer reprend pas à zéro. Donc... Donc pour Hush c'est baisé. Déjà, sachez-le, pour Hush c'est foutu. Ok. Ah, j'ai le... Ok. J'ai le... Another option, truc mûche. Je choisis mes récompenses de fin de salle. Des objets à 7. Mais ouais. Ah ouais, on va tout prendre. Ça me permet d'en reroll plus quand je vais me faire toucher en 4 secondes. En plus. Pour l'instant, ils sont pas mauvais en plus donc ils vont m'être utiles tout de suite. Et derrière, ça va faire du reroll en plus.
Ok, vas-y, je vais récupérer ça. Nice. Oh, les divorces papier en plus. C'est vachement cool, ça. Ok. Et re-une Curse of the Blind. Deux étages de suite, deux Curse of the Blind, on est ravis. Et une biothèque là-haut. Le Book of Shadows. Et le Book of the Dead, bah, qu'on va garder pour l'instant. Hein. Il y a une grande pièce, on va aller dans la grande pièce, comme ça on va pouvoir l'utiliser. Ah merde. Évidemment, la grande pièce est merdique. Quoi ? Oh, c'est chiant. Ah bah, il y a toujours les objets pas chers. Et le restock. Placebo, on s'en fout. À prendre le cœur. Ok, est-ce qu'on va essayer de péter cela? Ouais, vas-y. Hop, 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 hop. Happy, pop, hop, pop, hop, hop. Très bien. Même si j'aurais dû prendre la clé, mais... je préfère dire que c'est ce que je voulais faire, en fait. C'est pas que je me suis planté, hein. Mais j'aurais dû tellement prendre le cœur, mais merde. Ok. Hop, on se casse. Je commence à avoir pas mal d'objets, c'est cool. En fait, ça sert à rien que j'optimise ouais, sur les objets, parce que de toute façon, il y a de grandes chances qu'ils soient reroll 2-3 salles après, quoi. Donc, qu'est-ce que je m'en fous d'aller, d'aller au shop avant, quoi. Là, l'avantage par contre, c'est que j'ai le. C'est que j'ai le Steam Cell et du coup, je peux acheter max d'objets au shop quoi. Enfin, du moins, je peux en acheter plus que si je l'avais pas quoi. On va essayer de l'optimiser un peu. Hein. Histoire d'avoir un bon build pour pas Hush. Hush, en termes de délai, c'est mort. Hop. Merde, j'aurais dû le buter, mais...
Nice. C'était le bon coup. Ah. Ok. Et merde. Merde. Enfin, la râpe à fromage, du coup j'ai pas à me taper les pics dans cette salle. Ce qui rend ce qui la rend quand même beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah. Ah les couilles de keeper quoi. Comment ça? J'ai toujours le restock? Ah mais le restock il est passé en... Le restock il est passé en objet de... normal en fait. Enfin en objet... il est à côté de la curse. Le restock. C'est chelou. Ou alors c'est parce que je l'ai de nouveau eu, mais je piche pas pourquoi sinon. Là je peux y aller, c'est gratos. Putain, je savais pas ça. Ah merde. Ah par contre ça je savais pas. C'est même sur les mendiants, on perd l'objet quoi. Enfin, on reroll. Ah ouais. Ah ouais, ça je savais pas. Non, on va garder la crown. Merde. Ah, je me suis bien fait baiser. Par contre, j'ai des bons objets là. Alors je prends les one makes you larger parce que j'ai Oh mais ouais, la crown je vais la manger. Ah, j'ai le sac à dos. Parfait. Perfecto. Coucou Johanna et coucou Gubel. Comment va? Je passe dire bonjour mais je reste pas, le jeu est pas pour moi, sorry. Le Kakinar qui a murmuré à l'oreille des solutions, a-t-il réussi à finir Prime 2? Oui. Oui, Prime 2 est fini, ça y est. J'en ai terminé. J'en ai terminé de ce jeu de... Voilà. Mais c'est gentil Gubel de passer. Et regarde ça, chère Johanna. Ce que j'ai reçu ce matin. À la poste. Tagadang. Vois-tu? Donc on aura du Metroid Prime. On aura du Prime. Enfin là on va faire un autre jeu. D'ailleurs j'ai fait un sondage. Je vais republier le lien pour les gens. J'ai fait un sondage sur Twitter. N'hésitez pas à aller voter. Hop. Tac. La poste ne vous vole jamais de colis. Non, moi, alors nickel. Franchement, j'ai vraiment pas du tout à me plaindre de la poste. Other M, un épisode peu aimé pour le coup. C'est dommage, j'ai proposé des choses intéressantes. Ouais, bah ouais, mais tu vois, j'avais envie de le faire, donc... Mais je sais qu'il a pas été super bien reçu. Et, putain, avec la poste, franchement, jamais de problème. Jamais de vol.
Mon facteur colis, parce que le facteur courrier et le facteur colis, c'est pas le même. Mon facteur colis est un amour. Franchement, le mec est adorable. Il frappe toujours. Il essaie de trouver des solutions. Quand vraiment on répond pas, il cherche des solutions. Il est vraiment super sympa. Et il attend. C'est non seulement il frappe, mais il attend en fait que les gens se pointent à la porte, quoi. Un adorable, franchement adorable. Je lui ai demandé la dernière fois, je fais comment on peut faire des retours à votre hiérarchie. Et donc il était un petit peu bah merde, mais qu'est-ce qu'il me dit, quoi. Et je fais mais non, mais je dis ça se passe super bien avec vous, vous faites super bien votre boulot. Enfin moi j'aimerais bien remonter. Enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui remontent des problèmes à la poste quand il y a des merdes. Je dis moi j'aimerais bien remonter à votre hiérarchie que vous faites bien votre boulot et que je suis super content de vous, quoi. Donc je sais pas ce que... Il m'a dit bah je me renseignerai. Alors finalement il me l'avait pas dit, quoi, mais j'aimerais tellement dire, en fait, vous avez un employé, il fait super bien son boulot, quoi. C'est cool, quoi. Et il n'aime pas de soucis avec la poste, mais beaucoup de gens semblent avoir des soucis, ouais. Non, mais moi c'est la poste suisse, il paraît. Ah. Quand j'habitais à Nières, un jour j'ai reçu une lettre qui était dans un colis. Mais j'ai jamais le colis qui était autour... Ah merde. Ce qui a créé une crise familiale vu que le colis contenait des vêtements de bébé au crochet réalisés par ma tante. Dernièrement, on nous a volé des autocollants dans une enveloppe. Oh là là, c'est ouf. Ouais, je pense que ça dépend de qui fait le service, hein, malheureusement. Mais ah ouais, non, mon facteur colis, meilleur facteur colis du monde, hein, franchement. Si vous en trouvez un mieux, j'y crois pas. C'est que vous mentez. Je suis tellement content de l'avoir. Je suis un connard. Et tu vas crever un moment, toi, ou pas? Des pills, vas-y. Mais j'ai un truc qui le ralentit là ou quoi? C'est peut-être un de mes familiers. Ah non, c'est peut-être l'araignée. Qu'est-ce que... Ah, blablabla. Ah, par contre, Jigo, vraiment pas... J'arrive vraiment pas à ce jeu. A plus. Bah des bisous Gabal et merci d'être passé. Il y aura d'autres choses hein, dans le week-end, hein, donc n'hésite pas à repasser. Si tu veux voir autre chose que du Isaac. J'hésite à faire la mise à jour du serveur dernière fois, ça s'est mal passé. De quel serveur? Du coup je passe par Mondial Relay qui est de particulier à particulier, au moins il n'y a pas de vol. Nextcloud de l'enfer! Quelle version? Sur quelle version tu veux passer? Parce que si c'est la 22, je te déconseille de le faire tout de suite. Il y a des merdes encore sur la 22. Donc c'était pas ouf de mon côté. La 19013. Mais mais pourquoi t'es encore en version 19? Ah, le one makes you larger là. Enfin, je l'ai tenté hein. Je l'ai tenté. Bah,
Parce que les matchs se font pas automatiquement, je suis rendu compte aujourd'hui que j'étais pas à jour. Non bah ouais, non, ce qui est normal que les mises à jour se fassent pas automatiquement quoi, mais mais ouais, non mais passe pas à la 19-0-13 quoi, passe à la 21 et des bananes quoi. Ben je suis le process de mise à jour automatique, j'avoue. C'est bizarre qu'il te passe. C'est bizarre que tu sois pas encore à la 21. Hein. Il y a. Ça me semble étonnant. Mais il y a peut-être un truc qui bloque, ouais. Un petit orf, ok. Je vais de nouveau devoir faire la mise à jour manuellement, je pense. Manuellement, tu penses comment manuellement? Sinon, alors un bon truc. Manuellement, c'est via le. Désolé, hein. Désolé, moi, on parle à Binti, je fais ah, ah ouais, 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 cool. T'as manuellement, t'as publié la version. T'as un script qui s'appelle updater.far dans le. Dans le répertoire en fait du Nextcloud, je te conseille de faire les updates par ce biais-là. Ça marche tellement mieux. J'avais des merdes moi quand j'utilisais la mise à jour depuis le web. Franchement, c'était la merde. Et par contre, avec le updater.far, ça passe nickel à chaque fois quoi. Donc je te conseille. Et si jamais en fait Nextcloud te propose pas la version une nouvelle version, ce que tu peux faire, c'est passer sur le canal bêta. Donc dans l'interface web, tu dis que tu veux la version bêta. Tu update avec le updater.far et après tu repasses en canal stable. Et enfin moi c'est ce que j'utilise et franchement c'est le meilleur moyen de mettre à jour ton Nextcloud quoi. À mon avis. Ok. Je pense que je vais aller voir le commercial de chez Cyclone qui okay, faudrait que j'upgrade la taille de mon serveur aussi et que j'aimerais avec des mises à jour automatiques. Ah bah écoute. Il paraît que je fais ce genre de presta donc n'hésite point. Ce serait avec plaisir. Zirmid c'est non. On va aller au boss. Hein. Alors, en plus Husk c'est bien. Voilà. Voilà. C'était parfait. Shot speed up. Ouais j'ai un peu tout chopé ce que je voulais. Il y a peut-être un cœur bleu là de ce que je voyais. Ouais bah oui mais non. Je peux pas aller l'attraper.
Down, c'est non. Je crois que Cyclone ne propose pas lui Frame Agenda. Donc à voir quel module d'agenda c'est. Si si. Enfin j'ai l'agenda dans Nextcloud. Hein. J'ai l'agenda, j'ai le contact, les contacts partagés aussi. L'agenda ou Frame Agenda? Ah, je sais pas ce qu'ils utilisent Frame Agenda, donc Ah non, Frame Agenda, c'est le truc style Doodle, ça. J'avais oublié. J'avais oublié que quand on se faisait toucher comme ça, ça a compté aussi, c'est dommage. Quoi ça? Ah, ça file des cœurs moisis. Ah, c'est le Yum Heart, mais le Yum Heart cœur moisi. D'accord, ok. J'ai compris. C'est une taquinerie, Frame Agenda, c'est un service de Framasoft basé sur Nextcloud et Agenda. Ok, donc bah oui, bah donc j'ai pareil. Moi. Du coup, j'ai la même. Mais c'est chiant. Vous avez pas idée à quel point c'est chiant. L'ennemi qui te pop dessus, quoi. C'est facile de transférer les données d'un cloud à l'autre. Bon, en vrai, juste des contacts à transférer. Tu peux faire un export. T'as exporté en fait dans le truc de Nextcloud. Tu fais export, import et c'est ok. Thank you.
J'aime bien ne pas avoir de troll bombe. Sera-t-il possible qu'on se pose dans le week-end une heure ou deux pour faire un point sur mes besoins, les solutions et tarifs que tu me proposes avant de changer mon hébergement? Oui, pas de soucis. Y'a pas de soucis, on voit ça sur Discord. Et merde. Et merde. Putain, j'avais un bon build. J'avais un bon build et je le perds sur les mains de maman, quoi. Ça fait quand même un peu chier. Vu que mon ex vient de changer de téléphone, moi de formater le mien, autant que je configure tout en une fois, que je résolve tous mes soucis sur mon serveur aujourd'hui pour commencer dans 3 mois. Ouais, non, on est d'accord. Ah, j'ai Holy Mantle, oh, c'est tellement bien. Je vais peut-être pouvoir garder mon build pendant un moment. J'ai Holy Mantle. Pourquoi? Pourquoi il veut pas les avaler? Ah, d'accord. Je suis déjà blindé. On est à Depth One. Putain, on est que à Depth One, quoi. Oh, il a pris. Il a pris, mais tellement cher. Le rosarie en plus. On est plutôt content. Quoi? Putain, c'est vrai que quand... C'est vrai que quand on a... Je sais pas pourquoi ça continue de tourner. C'est vrai que quand on a le machin là, quand on est stompy, on écrase les statues d'ange. J'avais oublié. Si j'avais oublié. J'ai de la thune en plus, c'est bien. J'ai mes deux parties de clés. C'est pas trop cher. Le prisme, la holy card. La holy card qu'on claque tout de suite. Affilé du pognon à lui. C'est quoi qu'il me propose? S'en fout. Vas-y. Le build est compliqué par contre. Hein. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que j'ai comme objet? Ah, j'ai Soy Milk. J'ai Soy Milk, j'ai les boules de billard. Ça, c'est le merdier. Soy Milk, les boules de billard et le Rainbow Bill. Ouais, ok. Putain, on voit rien. On voit que dalle.
Ah merde, je me retape. Je me retape le truc à la con. Là. Plancy. Plancy. Que j'ai jamais eu. Je vais le prendre parce que... je vais pas l'utiliser évidemment, hein, mais... Mais comme ça au moins je l'aurais eu. The world. Non. Chariot. Attendez. Comme ça, j'ai High Priestess et The World. Très bien. Je peux avoir The Fool aussi. On part sur quoi là hein? Ah, Hush, c'est mort. Hein. Évidemment, mais. Ah tout à l'heure j'avais Datsuki, j'aurais pu l'ouvrir. Ah c'est con. C'est con, c'est con. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une chance d'avoir Delirium là. Et vu que j'ai plein d'objets, ça peut être pas mal quand même. Mais du coup, faut que j'aille. Hop. Ah merde! Ah oui, forcément. J'avais encore oublié que n'importe quel dégât me faisait changer. Money equal power, je sais pas si ça me fera un objet de plus. Allez, vas-y. Let's go. Elle est bien cette petite run, elle me plaît bien. Je la trouve rigolote. Bien fait de prendre Money Equal Power. De la luck en plus, c'est cool. Le cancer. Et malgré le fait, ah mais ouais, j'ai eu Eucharistes. J'allais dire malgré le fait que j'ai pris un Devil Deal, j'ai le droit d'avoir une God Room, mais c'est parce que j'ai pris Eucharistes. Putain, la Godhead.
qui va être reroll dans pas longtemps, hein, mais j'aurai au moins la godette pendant ça. Vas-y. Credit card, mais qui me donnera rien, credit card, on s'en fout. Très bien. Ah, j'ai toujours mon equal power, ok. J'ai pas été touché depuis ou ils me l'ont redonné. Ça m'est tellement pris plein la gueule, hein, le pauvre. Hop. Est-ce que je claque mon The World tout de suite ou pas? Why not? Ah mais je peux avoir un... Merde. Oh Cursed Eye. Oh le pire. Oh, oh non mais je vais me faire toucher exprès. Hein. Cursed Eye c'est non. Je vais aller là. Oh mais non, c'était tellement bien. Pourquoi je peux pas le garder? Pourquoi je peux pas le garder ça? Ah si, j'ai Holy Mantle. Oh tellement bien. Il m'a piqué là. C'est pas grave, c'est le alimental qui a pris. Le bruit de merde. Bah Deep Pocket ouais.
Merde. Merde. Oh bah c'est parfait. Regardez ça. Regardez ça, ce petit build finalement qui est encore mieux. J'ai un truc qui fait du homing, hein. Putain, j'ai godded. Yes. Alors, la Dark Room, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fear Shot, hein. Et merde. Alors j'ai perdu mon build pour avoir quasiment le même. Ok. Oh ça c'est dégueulasse. C'était crado. Ah le jeu pas sympa. Plus où ? Ça j'ai pas visé. Dommage. Qu'est-ce que c'est le truc là ? J'attire les ennemis et en même temps je les repousse. Attendez. Merde. Ah, je peux pas sortir. C'est quoi ça, le D7? Il est pas sympa le build, hein. Ah! Qu'est-ce que je peux... Putain, mais ça a choisi tout seul. Je suis attiré par je sais pas quoi. Il y a un truc qui m'attire, je sais pas ce que c'est. Avant que j'aille faire des charges, est-ce que tu sais quel fichier supprimer modifier quand le process de mise à jour a planté pour revenir à l'interface web de Nextcloud? Ouais, faut... Il y a un truc, ouais, je sais plus c'est quoi le nom. J'aurais pas su te dire du coup, donc c'est bien que t'aies trouvé tout seul. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est un peu le bordel, hein. Et du coup, je vais... Ah! Parce qu'il y avait pas la... Ouais, il n'y a pas d'Elyrium, on va essayer d'aller choper d'Elyrium. Et pour aller choper d'Elyrium, il faut qu'on fasse du coup Méga Satan. On a déjà fait, hein, mais... on a peut-être une chance d'avoir... Attends, coupon. Ah ouais, vas-y. C'est gratos. Est-ce que je peux être Guppy?
je peux pas être guppy. Mais bon. Ça me fait deux objets en plus quoi. C'est quoi ce build? C'est toujours le même. Faut que je reste à distance parce que... Je vois rien! Allô, je vois rien! Ah, le jeu a planté. Non! Non! Le jeu, il a planté. Merde! Merde! Le jeu a planté! Ça fait chier. C'était bien pourtant. Ouais, fermez le programme. Bon bah on va relancer. En même temps c'était assez évident que le jeu allait planter. Hein. Vu le nombre de vu le nombre de dégâts que je faisais. C'était obligatoire que ça plante. Allez, on continue. Est-ce que ça nous remet à Mega Satan ou pas? Ah merde, ça nous remet... Putain, ça nous remet là. Bah dommage. Et puis ça nous fait un étage complètement différent en fait. C'est chelou. Ouais non bah alors ça par contre... Même pas en rêve hein. Putain du coup l'étage est différent, c'est bizarre. Ah mais ouais parce que j'ai pas... Ok. J'ai pas fait les... Ok ouais. J'ai pas fait les salles dans le même ordre et j'ai vachement de luck en fait là. Ok. Bon on va aller voir si on peut avoir Delirium. Du coup, j'ai un peu triché. Hein. Je veux pas me faire toucher, je veux pas me faire toucher, promis, je veux pas me faire toucher. Je veux garder ce build si possible. Putain, ce build il est royal quoi. Alors là, si j'ai Delirium avec ce build, franchement, c'est juste génial. Hein. Mais faudrait que je me fasse pas toucher. Ce qui serait très peu probable. Là faut que j'arrive à pas me faire toucher là sur la dernière phase. Putain ouais non mais Godhead. Ouais non j'ai tellement de trucs bien là. J'ai Ah j'ai la Broken Watch. Ah la Broken Watch ok. Ça a marché. Regardez ce qui se prend. Oh là là, ce qui s'est pris. Oh là là. Delirium, Delirium. Pitié Delirium. Pitié Delirium, s'il te plaît le jeu. Yes. Oh, putain, si j'ai ce build là sur Delirium, c'est GG. Hein. Ça serait quand même pas dégueu.
Ils sont où les boss? Alors, c'est pas par là. Il va être par où cet enfoiré? Et en plus je vole, c'est cool. Et par contre passer sur les champignons c'était mauvaise idée. Hein. Non mais vraiment! Oh le jeu de merde! C'est possible cette salle là? Bah elle est infâme cette salle. Huit boss dans une petite salle, est-ce que c'est normal? Bah t'es obligé d'appeler Edmund encore et puis lui demander quoi. Edmund, tu te fous de notre gueule ou tu te fous de notre gueule? T'avais dit que les salles impossibles c'était fini. Or, j'arrive dans une salle, c'est le merdier. Little Horn en plus avec 5 de luck ça peut être pas mal. Ok. Coucou Bibi la diva, comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon moment chez Mega Elod? Ouais, c'était très bien. Cool. Du coup, tu l'avais pas en follow du coup? Si, non, je sais plus. Tu m'as pas dit, je sais pas. J'ai oublié. D'accord, ok. Bah voilà, bah c'est une bonne chose de fait. Elle fait plein de trucs comme ça, artistiques en fait, en stream. Et c'est vraiment cool, elle fait un peu de jeux vidéo aussi. Mais souvent c'est du crafting et tout. Et c'est vraiment chouette. Donc je suis content que t'aies atterri chez elle. Le champi. Mais non mais j'aurais dû prendre l'autre en fait, ça m'aurait fait un truc de plus sérieux. Oh là là, mais je suis con. Il y a des fois je fais vraiment des choix de merde hein. La vilaine salle. De la range, c'est bien.
Bon. Est-ce qu'on va arriver à se le faire cette fois-ci? Bon bah s'il apparaît pas, non. Si un jour il apparaît, peut-être qu'on y arrivera. Putain. C'est que ces conneries ? Ça me protège cette merde ? Oh l'arnaque ! Ça me protège 100%. Ah c'est génial. Ah il va mourir hein. Ah bah bisous. Bisous Deliria. Ah le build. Ce build génial. Allez. Avant que ça plante. Ah je l'ai bien aimé. Comme petite data. Et bah voilà, on l'a eu avec Eden V2. On aura donc fait Satan, The Lamb et Delirium. C'est cool, franchement. Mais on n'aura pas fait Hush, par contre, c'est dommage ça. C'est n'importe quoi. Bah ouais, mais. Bisous, YouTube.